Tambacounda, une des régions du Sénégal les plus touchées par le phénomène de l'immigration clandestine. Ceci à cause de son positionnement géostratégique et frontalier. Dans ma région, la jeunesse est plus en plus exposée par ce fléau qui touche la population dans sa totalité. Les causes principales de l'immigration sont liées aux conditions de vie qui deviennent plus en plus difficiles, mais aussi la recherche d'emploi. Dans le cadre de mes recherches, j'ai eu des discussions avec des migrants de retour qui m'ont raconté leur périple. Le chemin de l'Europe est pénible. Beaucoup de personnes perdent la vie dans le désert ou les profondeurs de la mer. Cela n'entrave pas l'élan des jeunes prêts à braver les risques pour arriver à leur fin. Un pays, la Libye, attire particulièrement mon attention. La Libye accueille beaucoup de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée pour relier l'Occident. Ils sont souvent victimes de racisme, de xénophobie, d'emprisonnement, de viol, de l'esclavage. Des solutions immédiates pour lutter contre ce fléau doivent être la préoccupation de tout un chacun, parce que nous sommes tous concernés. La formation, la réinsertion, l'auto-emploi doivent être selon moi les bases de notre politique pour combattre ce phénomène.